Ben, Géraldine, ça fait entre 14 et 16 ans qu'on se connaît. Je l'ai eu d'abord en tant que prof. J'étais son élève en débutant quand j'ai commencé. Et ensuite, quelques années plus tard, j'ai rejoint sa compagnie en tant que danseur. Je l'assiste un peu sur le travail de la compagnie, le travail de répétition, c'est-à-dire de garder le répertoire avec l'énergie et la direction artistique qu'elle souhaite. Chaque année, on a une nouvelle création et Afterwards, la première pièce qu'on joue ce soir, qui ouvre la soirée, c'est une dernière création. Et ensuite, entre deux, ça nous permet de montrer différents styles de l'esthétique jazz. Géraldine, elle travaille beaucoup sur le feeling. Donc, tu vois, dans sa danse, il y a au-delà de la technique, du mouvement pur technique, elle est beaucoup sur le ressenti. Là, on a une équipe qui est très jeune, qui découvre un peu le travail de Géraldine, mais en compagnie. Donc, ils l'ont peut-être eu en tant que professeur, mais pas spécialement en tant que chorégraphe. Et je pense qu'elle aime bien les artistes, les danseurs qui ont quelque chose de particulier. Donc c'est vraiment au coup de cœur, vraiment à la personne que ça se fait en fait. Virginie, tu peux venir pendant de Chloé. Non, mais c'est pas le work. Oui, attendez, moi je parle. There's three girls and two boys. That's what I want. Three girls and two boys. You want three girls and two boys. Mon enfance, c'était la danse à la plage, ou de shango et des choses comme ça. Moi, j'ai jamais décidé d'être danseuse, hein. Jamais de la vie. J'ai commencé à étudier la danse à 19 ans. J'avais déjà 19 ans. C'est la danse qui m'a attrapé. Moi, je n'avais pas attrapé la danse. C'est lui qui m'a attrapé. Parce qu'avant que j'ai fait un pas dans un studio de danse, j'étais déjà engagée comme danseur. Ça. Et même pour le chant. Donc, j'avais un choix entre les deux. Donc, on m'a dit que j'étais douée. I was blessed. C'est super à les voir danser, ils ont une énergie c'est vraiment impressionnant. J'ai trouvé ça vivant, original et ça donnait envie de danser avec eux en fait. Tout ce qui était blues, gospel, là ça nous m'a complètement emmené, c'était génial. Ça me donne de la joie et puis on voit qu'ils sont heureux de danser. On a découvert, ça nous a même donné envie, nous qui habitons pas Sucy-en-Brie, de regarder un petit peu plus la programmation. Enfin, y a vraiment tout pour passer un bon moment.